Alors, l'histoire, elle est extrêmement simple, c'est que qu'un d'un jour à l'autre, on commence à voir de plus en plus flou, ce d'autant plus que je travaille à la TV, donc je me suis rendu compte encore plus vite, on s'est dit, il y a quelque chose. Pourquoi tout d'un coup Je suis donc allé tout simplement chez un opticien faire un contrôle, qui m'a dit, ouf, les valeurs sont pas terribles. Pas terribles, terribles. Qui m'a envoyé par la suite à l'hôpital ophtalmique. Il faut refaire le même contrôle, un peu plus poussé. Et j'ai fini entre les mains d'un chirurgien qui m'a dit Ah, et ben là, je pense que c'est une cataracte. La cataracte, c'est une opacification progressive du cristallin. Le cristallin, c'est cette lentille qui est ici, qu'on va ensuite opérer, enlever le cristallin et le remplacer par une lentille artificielle en implant. Cette lentille devient progressivement opaque avec les années, et puis on corrige avec des lunettes, et par la suite, on ne peut plus corriger avec des lunettes et à ce moment-là, il faut opérer les patients pour enlever le cristallin et le remplacer par une lentille artificielle, un implant intraoculaire. L'examen préopératoire, c'est je pense la partie la plus importante de l'examen, c'est-à-dire que ça comprend un examen ophtalmologique complet euh, avec dilatation pour regarder le fond de l'œil, pour regarder le cristallin lui-même, s'il est stable. Euh, et puis Ensuite, des mesures de l'œil qui vont permettre de calculer l'implant intraoculaire qu'on va utiliser. Je pense que c'est très important l'examen préopératoire pour juger le besoin visuel du patient. C'est-à-dire, il y a différents types de lentilles qui existent, différents types d'implants qui sont des monofocaux, des multifocaux, pour essayer de se passer des lunettes complètement. Et c'est très important de jauger le besoin du patient particulier, parce que le patient est unique. Le chirurgien m'a dit, tous ceux qui avouent ne pas avoir la trouille sont des moteurs. Parce que les yeux, ça fait peur à tout le monde. Et finalement, j'ai dit, bah, il faut quand même le faire, parce qu'on ne peut pas avoir tout flou toute sa vie. Le jour de l'opération, c'est vrai qu'on arrive à l'hôpital, on est pris en charge par euh, des gens, vous devez vous changer, vous devez préparer le, le, le chaud stérile, euh, ces trucs-là, vous ne savez pas exactement ce qu'on va vous faire, même si on vous l'a expliqué. Euh, c'est une petite anesthésie, c'est rien du tout. Après, vous partez en salle d'op, et après, vous êtes recouvert. L'œil qui a été anesthésié ne voit absolument plus rien, vous ne sentez absolument rien. Et 20 minutes après, c'est fini, on vous souhaite une bonne journée. L'intervention se déroule comme ceci. Donc. On va entrer à l'intérieur de l'œil par un petit tunnel qui se fait euh, dans la cornée, donc la première membrane de l'œil, dans la partie périphérique de la cornée. On va remplir l'œil un petit peu de liquide visqueux pour protéger un peu les différentes structures. Et on va ouvrir le cristallin en, de manière circulaire avec une pincette ou avec un laser. Ensuite, on va utiliser un autre instrument qui s'appelle un phaco-émulsificateur, qui est une membrane qui vibre et qui aspire en même temps, qui utilise les ultrasons. Pour creuser à l'intérieur du cristallin, casser le cristallin en plusieurs parties qui vont ensuite être euh, aspirées par l'appareil. Une fois qu'on a libéré, le, le, qu'on a nettoyé tout le, le cristallin, il ne reste plus que l'enveloppe, hein, on a enlevé tous les fragments du cristallin, on va de nouveau injecter un liquide visqueux à l'intérieur pour protéger, pour ouvrir le sac cristallinien, là on va injecter ensuite un implant intraoculaire, euh, la lentille, le cristallin artificiel qui va redonner une bonne vision. La majorité des cas, ce sont des, des implants... Euh, qui sont des implants monofocaux, c'est-à-dire qui donnent une bonne vision, en général de loin, au patient. Et le patient nécessite ensuite des petites lunettes de lecture euh, pour lire les choses petites. C'est vrai que tout d'un coup, ben, à 30 cm, le journal, eh ben, il faut aller s'acheter des lunettes à 12 balles pour lire le journal. Parce que là, c'est complètement flou. Alors, il n'y a pas grand-chose à lire dans le journal, mais c'est plus sympa de le voir net. Donc à la fin de l'intervention, on injecte des antibiotiques dans l'œil pour éviter justement le risque d'infection. Et le patient ensuite a des gouttes à mettre qui traitent l'infection et l'inflammation. Hein. Donc deux types de gouttes qu'il faut mettre euh, dans un schéma dégressif, hein, tranquillement, sur un mois. Donc le patient a un mois de goutte et puis on le surveille à ce moment-là. C'est très important, je pense, le, le suivi en post-opératoire du patient. Je pense que tout chirurgien doit suivre les patients. Et c'est très important de revoir le patient, revoir le patient, toujours, toujours, toujours. Ben bah ouais, il faut mettre des gouttes, il faut les mettre sur le pull parce qu'on se loupe les premières fois on enfin, des trucs comme ça et il y a aucune douleur aucune démangeaison il n'y a absolument rien ni les yeux qui pleurent ni non rien du tout extraordinaire